Guy Van Der Smissen, Standard de Liège, affrontera le FC Bruges dimanche. Qu'en pensez-vous de ce match? Un match avec beaucoup de tension, beaucoup de stress. On a vu ça déjà dans les autres matchs, que, comme la semaine passée, avec les quatre rouges. Donc, plus que ça avance, moins de choses on a pour corriger. Ça veut dire que le stress augmente et qu'on n'a pas, le droit à l'erreur. Donc, un match intensif, certainement, oui. Deux équipes qui ne peuvent pas perdre des points. Exactement. Parce qu'il y a encore Anderlecht, hein, ils sont trois. Et un match nul pour les deux, pour Standard et Bruges, ça peut donner l'avantage à Anderlecht avec encore deux matchs avant la fin. Donc, un petit peu une situation assez compliquée. Est-ce qu'on va vraiment jouer pour gagner? Normalement, oui, mais je sais que Stordava, ils vont, comme ils le font toujours, commencer à 200 à l'heure et essayer de faire la différence, quoi. Et Bruges va essayer de laisser passer ce moment-là et essayer de jouer peut-être en contre ou sur les phases arrêtées où ils sont quand même assez forts. Standard Bruges, c'est aussi un duel entre deux entraîneurs très enthousiastes, Luzon et Prudhomme. Oui, ils vont avoir un match sur le côté, à côté du terrain, oui. Mais je pense que l'arbitre sera là pour les calmer parce que parfois, ça peut donner une influence sur les joueurs sur le terrain. Et, comme on a vu la semaine passée, déjà quatre cartes rouges. Donc, faut essayer d'éviter ça, quoi. Ça sera un match ouvert avec beaucoup de buts? Ben, ouvert, je ne sais pas. Je ne crois pas que Bruges va tout de suite commencer à attaquer. Ils vont être sous pression de Standard, mais ils vont essayer de jouer assez organisé, bien fermé, essayer de jouer en contre-attaque. Ils ne peuvent pas donner ou laisser trop d'espace non plus pour les attaquants de Standard. Donc ça, c'est dangereux. À mon avis, ils ne vont certainement pas le faire. Ils vont rester bien organisés, essayer de jouer en contre-attaque et sur les phases arrêtées, essayer de faire la différence. Vous avez un pronostic pour ce match? Un pronostic, c'est difficile parce que n'y a pas un club qui est régulier pour le moment. On voit ça, il y a même Anderlecht ou Bruges qui n'est pas capable de gagner, qui a déjà été battu trois fois, je pense. Anderlecht est difficile de gagner, le Standard a seulement gagné deux fois en play-off. Donc, difficile à dire et pour le moment, je ne peux pas dire qu'il va être champion. Je pense quand même, allez, avec l'avantage de jouer à domicile, le Standard peut gagner ce match contre Bruges.